Nous revoici pour l'assemblage de notre album. Donc je prends une aiguille à coudre, le canevas ou la tapisserie. J'ai pris le coton à tricoter Bergère de France qui se tricote en 2,5 la couleur froment qu'on a déjà utilisé. Donc là je vais mettre du fil sur mon aiguille. Alors on va prendre une bonne longueur. On va enfiler une bonne longueur comme ça et on verra après pour recouper. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de coudre nos pages dans l'album. Alors c'est là que c'est le moins rigolo, n'est-ce pas? Donc on reprend notre couverture à l'endroit, bien sûr, donc dans ce sens. Et là ici on a la tranche, le milieu. Donc on va commencer. Alors on va placer d'abord au milieu de notre album, alors la partie avec la petite danseuse. Donc si votre papier est sec, comme ceci, donc on avait fait notre système de danseuse avec le fil accroché en haut en bas. Donc pour que ça tournicote quand on ouvre, eh bien il faut le tourner plusieurs fois déjà. Vous le tournez plusieurs fois et quand vous ouvrez, à plat, ça tient, et quand c'est ouvert, ça se met à tourner, à condition de l'avoir pas mis trop près du bord ici. Donc là je vois que c'est un peu trop près, à quelques centimètres. Il faudra que je décale mon fil sur la droite pour que ça tourne parfaitement. Bon, pour l'instant on va déjà coudre l'ensemble. Donc on va se placer à mi-hauteur comme ça. Alors vous pouvez mettre une pince. Alors faites comme ça pour être sûr d'être bien au même niveau que la tranche. Donc vous pouvez mettre une pince à papier pour maintenir le papier ici. Et là, avec le matelas de piquage, vous pouvez le mettre en dessous. On va faire un trou. Alors j'ai pas mesuré, hein, à, je sais pas, environ 3 cm du haut. On va piquer dans la tranche et on va tout perforer en fait. Comme ça. Et là, on va faire passer le fil. C'est pour ça qu'après, tout ça, ce sera maintenu par la suite. D'abord, on va placer notre fil, notre aiguille ici. Tout faire passer. Et on va le refaire sortir. Donc, au même endroit, ici. Donc, vous regardez à peu près à la même hauteur. On va faire un trou dans la tranche. C'est pas facile dans ce sens. Donc d'abord il faudrait percer la première couverture. C'est là qu'il faut être au milieu. Ou alors c'est refaire un trou ici en face pour être sûr comme ça d'être bien dans la tranche. Parce qu'on voit pas de dessous finalement. Donc là, voilà, l'idée c'était pas de comment dire, de faire de perforation ici avec la crocodile, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc là, on a deux longueurs de fil. On fait qu'un tour, c'est suffisant. Et on va nouer. Vous coupez le fil et on laisse balader un petit peu de fil. Donc on va recommencer pour un lot de pages en fait. Là on va en faire deux d'un coup. Donc on va faire celle-ci avec le signe, et à l'intérieur on met celle-ci avec la pochette. Donc on met les deux ensemble et là on va les coudre à côté. Alors elles sont un peu plus grandes celles-ci, hein, donc elles vont dépasser un peu plus en haut en bas. Donc on va déjà les mettre à plat. Voilà. Accrocher le tout avec la même pince. On peut mettre une pince en bas aussi si ça vous rassure, si vous avez peur que ça bouge. Et là on va repasser une enfilée double. On va d'abord faire les trous, ce sera plus facile. Du coup on n'est pas obligé d'être exactement à la même hauteur. Après, si vous voulez regarder la hauteur, vous pouvez
passer comme ça. Ou mesurer. Ou mesurer, c'est plus simple. Alors là, par contre, je vais mettre une pince en bas. Non, ça n'a pas bougé. C'est bien positionné. Je vais quand même mettre une pince par sécurité. On va accrocher le bas aussi. Voilà, c'est l'opération la plus galère, on va dire. Plus galère, c'est de perforer ça. Et on va faire pareil pour le bas. Je crois que j'étais à peu près à cette hauteur. La bisto des nas, comme on dit chez nous. Donc là, je passe déjà ma première perforation. Et je vais repasser par le même trou là, mais il faudra que je sorte sur le bord. C'est bon, je suis bien placée. Vous pouvez resserrer. Donc ensuite on a notre bloc de page transparent. Il fait super chaud aujourd'hui. Oh là là, ce matin c'était couvert. J'ai cru qu'il allait faire bon, mais c'est encore la canicule. Donc là, on va prendre notre page transparente et on va l'ouvrir. Et c'est ici qu'on va perforer. Donc on va aller, j'allais dire, un peu plus petite. On va se placer par ici. Et on va repasser par le même trou dessous. Et devant, j'en profite, je fais mon trou aussi. À peu près par là. Déjà sortir de la couverture sans passer, voilà, dans les autres pages, et je ressors là. Et pour finir, il nous reste celle-ci. On vérifie, elle est bien à l'endroit. Donc je replace mon matelas dessous pour faire la perforation. On arrive au bout là, on tient le bon bout. Je ressors toujours au même endroit, vous avez vu?
dessous aussi. Je passe par le même trou. Et quand, une fois que je suis sortie, je vais venir dans ma feuille, ici, ressortir la ficelle. Alors, hop là. Alors ici, sur cette page, j'en ai laissé dépasser un petit peu plus. Parce que j'ai accroché à l'intérieur, ici, le tag avec les plumes. Alors, où est-il là? Voilà, ici, je l'ai accroché avec. Donc, soit on passe dedans, on peut, tant qu'on a l'aiguille. Bon, j'ai pas exactement fait pareil, mais... du moment que ça pendouille, quoi, je l'ai accroché avec, avec les fils. Et je le fais pendouiller, c'est la surprise du chef. Et on laisse tous ces petits fils. Alors là, pour la reliure, est-ce que j'ai assez serré celle-ci? Bouge un petit peu. Je vais essayer de serrer un petit peu plus l'ensemble. Ah, c'est dur, hein? Non. Ça n'a pas trop resserré en plus. Donc, à l'intérieur de nos pages, avant d'attaquer la déco de devant, qui sera la déco finale, on va reprendre l'ensemble de l'album. Et on va regarder nos petites finitions. Alors, hormis la danseuse qui se promène ici, j'ai à mettre, donc dans la première pochette, on a notre dépliant relié avec la dentelle et les deux cartes. Donc normalement, ça doit passer. Voilà, juste mais ça passe. Alors on peut le décaler comme ça puisqu'on a la reliure en dentelle, donc ça nous permet de le bouger un petit peu et de voir par exemple un petit peu le haut de ce tag, ça fait une fantaisie. Ensuite, donc celle-ci à l'arrière on n'a rien, là on ouvre au milieu, donc j'ai rien mis. Vous pouvez faire des cartes comme ça et les placer. Donc je vais en mettre une à l'intérieur de l'album, tout en sachant que la personne pourra mettre des fonds comme ça ou des photos, à elle de voir. Ici, on va mettre un petit livret comme ça, qu'on a fait tout à l'heure. Donc on le rajoute dedans, caché ici. Là, il manque une fleur. Donc une fleur comme ça, par exemple. Avec une belle dot au-dessus. Je vais prendre une blanche. Ça rappelle le clair ici de la pochette. Et là, je vais mettre une rose. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles! J'adore, c'est trop beau. Ensuite, ici, on a encore une fleur à mettre. Donc là, j'en ai mis une plus grande. Carrément, comme ça, avec du rose clair. Et encore les superbes dots. Alors là, une bonne rose comme ça, bien pailletée. Alors, celle-ci... pas bien décollé. Hop. Et on va glisser une petite carte, donc le petit livret qu'on a fait comme ça, on le glisse ici. Donc la page d'après, on a déjà mis nos strass, donc on a notre pochette transparente qui s'ouvre par là pour glisser nos photos dedans. Ici je mets rien, c'est trop joli comme ça déjà. Là on avait collé donc cette page façon pochette. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser la découpe du milieu. En mettant un petit strass ici, on va pouvoir réutiliser cette découpe épaisse en faisant un petit trou et on pourra la glisser ici. Alors je vais faire une petite perforation là. Pour faire un embellissement,
je vais prendre un petit bout de dentelle, par exemple celui-ci, plié en deux. Alors couper en biseau, bien sûr. Et là, on va faire passer une attache parisienne. Qu'est-ce qu'on a? Ben, j'en ai encore une là, par exemple, une comme ça. Je vais passer à travers la dentelle. Et à travers la perforation. Et là, on a une belle carte où on pourra mettre à l'arrière soit un message, soit des dates, soit une photo encore. Et on peut la glisser comme ça. Ça fait un embellissement en plus. Donc ici, je mets rien. Si la personne veut mettre des fonds comme ça, photo, elle les rajoutera. Ici, on a notre tag douceur. Et dans la pochette du fond, on a rajouté notre petit livret avec la deuxième page à l'intérieur. Dans cette pochette, plus cette petite carte aussi. On peut la rajouter dedans. Voilà, puis si vous voulez faire des tags, vous pouvez encore en placer à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va maintenant décorer notre couverture. Alors là, je vais nouer le ruban pour fermer l'album. Et on va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir faire pour la déco de couverture. Alors il faudra recouper du ruban, c'est trop long. Vous pouvez toujours utiliser les chutes après pour faire des embellissements. On jette rien, ou si vous faites de la couture, des guirlandes de dentelle cousues à la main. Ça. Donc sur le devant ici, qu'est-ce qu'on a comme embellissement? Donc on a dit qu'on allait mettre cette jolie carte parce que ça rappelle le vert si vous en avez mis là, ça rappelle le rose et puis le noir de la couverture. Donc ça. Ensuite, j'ai voulu mettre un morceau de cette jolie dentelle pour en avoir en souvenir. Et on va prendre une plume encore. La jolie dentelle rose, où est-elle? Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, donc un petit bout qui va être glissé ici, collé là. Collé un petit bout ici. La plume, on va la couper en deux. On va glisser un petit morceau sous la dentelle. Alors après, on va tout coller avec le pistolet à colle. Et on mettra ça sur le côté. On va remonter un petit peu. Ici, on mettra le deuxième morceau de plume. Et là, déjà, on va commencer à coller ça au pistolet à colle. J'ai encore ajouté un petit bout de plume sur le bas. J'adore, ça met des petites plumes partout. Voilà, il y aura un morceau sur le bas comme ça. Donc déjà, on va mettre des petits points de colle à l'arrière. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, ça va nous maintenir les dentelles en place aussi. Qu'elles n'étaient pas cousues dans ce sens-là, la verticale. Donc là, on met un peu de colle pour la plume. Un petit bout ici. On va coller notre image un petit peu en biais, comme ça. Alors ici, vous pouvez rajouter un point de colle si vous voulez. Vite, vite, parce que quand ça refroidit, ça colle plus. On va mettre ici cette plume. Et ensuite, on mettra des paquets de fleurs pour la déco. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une fleur de cerisier. J'en ai mis une en haut, ici, dans l'angle.
une fleur de cerisier, j'ai mis une grosse rose, alors une rose dans le lot de grosses roses que vous aviez, couleur prune, pourpre. Ben, il y a plusieurs teintes, donc vous pouvez mettre du couleur pêche, rose, comme vous voulez. Là, je rajoute encore une fleur de coquelicot. En fait, j'ai mis des tailles différentes de fleurs pour faire ce petit amoncellement. J'ai mis également une demi-fleur comme ça, un petit peu pourpre, en dessous ici. La rose, à glisser sous la rose, une mini aubergine dans le coin ici, et ici donc on va partir avec une dans les tons verts, vert d'eau, il faut qu'on retrouve un peu le vert ici du feuillage, donc une demi. Une demi-verre d'eau. Une grosse comme ça. Peu importe, hein, dans les tons pourpres, toutes les couleurs vont avec. Une petite rose couleur au saumon. Celle-ci, je la mets contre le vert. Là, on est en raccord avec les couleurs de l'étiquette. Et aussi de la tranche, donc si vous avez mis du vert, le vert d'eau, ben, ça va très très bien avec. Hein. Là vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors, je ne veux pas recouvrir la fleur ici qui ressemble à un pavot couleur violine. Je ne veux pas la recouvrir complètement pour voir, laisser le l'ensemble de fleurs. Donc là c'est pas mal, je vais peut-être ajouter une petite par ici. Juste là en coin. Ensuite on mettra des dots. Là je vais rajouter un peu de colle. On va mettre les superbes dots et après on va coller toute la tranche. Alors j'ai fait aussi une épingle décorée avec des perles de chez Prima. Toujours les grosses boîtes comme ça de perles. Il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Donc vous pouvez mettre une verte, une rose ou une beige. Donc ça, je vais mettre un point de colle. Je la pique ici, à l'intérieur. Donc on peut l'enlever éventuellement. Si la personne en a besoin pour décorer son album, elle pourra la retirer. Et ici, donc on va mettre des dots. Ah, elles sont ouf. Elles sont ouf. Les trop belles dots sont cachées. Donc là, ben les roses brillantes. Hein, là, faut y aller. Faut que ça brille là devant. Hop, une bien brillante, une grosse rose par ici et une petite brillante juste à côté. Voilà, là, on n'en rajoute pas plus. Maintenant, on va s'attaquer à la tranche ici. Donc on va coller ça. Alors soit vous utilisez du double face, vous pouvez utiliser du double face, remettre un double face ici pour coller de chaque côté donc la dentelle, ou alors le faire au pistolet à colle. Bon, moi je vais utiliser le bleu qui est extra fort, et là on va glisser donc ce double face ici,
chaque côté de la tranche pour maintenir le plissé. On va déjà commencer par un côté. Perdu l'aiguille de piquage. Je m'étale. Hop là. Ça y est. Donc là, vous venez rabattre comme ça la dentelle. Hop là. Remonter un petit peu. Pour rajouter des petits points de colle pour descendre la dentelle noire comme ça au bord, la coller. Donc on va faire l'arrière. C'est bizarre, il y a des plumes partout. Je comprends pas. Puis on les laisse. Ça fait partie de l'album. Et à l'arrière ici, ou là-haut, vous pouvez accrocher une breloque. Donc fabriquer une breloque. Donc je vais arranger un petit peu le devant ici, puisque cette partie-là est vraiment proche du bord. Donc je vais mettre peut-être un autre petit morceau de dentelle, comme ça, en me rapprochant du bord. Pour faire une petite épaisseur supplémentaire. Voilà, il n'y a plus qu'à finir, faire cette petite finition. Et cet album est terminé. Eh bien, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Eh bien, on se retrouve pour de prochaines réalisations. Voilà, il n'y a plus qu'à réfléchir. Bientôt, c'est l'hiver, l'automne, l'hiver. Il n'y a plus qu'à travailler sur tout ça. Eh bien, je vous remercie de votre fidélité à la boutique et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt !